Juniper Moon, qui présente les guides musicales de Voyageurs Galactiques, est un trio qui est inspiré par le jazz. Le jazz en tant qu'état d'esprit, quoi. Ouais. Entre le, comme lien entre des musiques différentes. C'est l'improvisation qui est importante. Oui, c'est ça, c'est l'improvisation qui est. On tourne tous autour de l'improvisation. Il y a aussi des morceaux qui sont plutôt concentrés sur un paramètre, comme, comme l'harmonie et la mélodie, pour, par exemple, ou aussi les rythmes. Et pour nous, l'expérience musicale est toujours un voyage, est toujours une rencontre avec ailleurs. L'idée, c'est vraiment d'amener les gens à trouver les éléments musicaux qu'ils ont déjà en eux-mêmes, mais aussi de les aider à développer la curiosité de chercher quelque chose. Qui... Les guides musicaux, c'est ça. On voudrait bien être un peu comme des guides pour, dans leur propre exploration dans le monde de la musique. Et le monde de la musique, c'est aussi le monde de l'histoire, de la géographie et de la politique aussi. On peut réussir à sensibiliser les jeunes aux détails de la musique. Produire une expérience musicale le plus possible engageante. Où la distance entre public et performer la plus petite possible. C'est d'installer l'envie, les doutes. Les doutes comme, pensés comme questions. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? On essaie de produire un style de musique qui parle aux jeunes, mais sans faire des sacrifices d'un point de vue de la complexité de la musique aussi.